j'ai les rangs. 9 mois. Oh, c'est beau, mais je sais pas si on pointe, ce sera un garçon. Avec des jumeaux, Emmanuel. Alors la clé du rôle pour moi, c'est ma mère. Une vraie mère juive, folle de son fils, toujours inquiète. À la race du lierre, même s'il revient du potager, tu prends qu'elle a. C'est vrai que ça fait ressortir la couleur des yeux. Gilberte a 15 ans. Et moi, Gilberte, a plus tard que vous deux. Le directeur était venu en personne me chercher à la gare. C'était bien la moindre des choses. Je tiens au-dessus de tout à ma clientèle titrée. Je finis par comprendre que dans l'obscurité de sa mémoire grammaticale, titré signifiait attitré. Que vous ne verrez pas là un manque d'impolitesse. Je l'ai fait rapport au bruit. Comme ça, vous n'aurez personne au-dessus de vous pour vous fatiguer le trépan. Ma chambre était d'ailleurs celle du premier séjour. Maman devait me rejoindre 2 jours plus tard, mais être seule ne me faisait pas souffrir. Je suis heureux de vous voir de retour, monsieur. Faire des connaissances féminines à Balbec me serait aussi facile que cela m'avait été malaisé autrefois, car j'y avais maintenant autant de relations et d'appui que j'en étais dénué autrefois. À peine eus-je touché le premier bouton de ma bottine. Pour la première fois, depuis sa mort, je retrouvais dans un souvenir involontaire la réalité vivante de ma grand-mère. J'avais souvent parlé d'elle depuis ce moment-là, et aussi pensé à elle. Mais sous mes paroles et mes pensées de jeune homme ingrat, égoïste et cruel, il n'y avait jamais rien nu qui ressemblât à ma grand-mère. Car aux troubles de la mémoire sont liées les intermittences du cœur. J'étais de nouveau cet être qui cherchait à se réfugier dans les bras de sa grand-mère. Et je venais enfin d'apprendre que je l'avais perdue pour toujours. Peu à peu, voici que je me souvenais de toutes les occasions que j'avais saisies de lui faire, avec quelques mots blessants, une peine que je m'imaginais ensuite effacer par mes baisers. Tel ce jour où Saint-Loup avait fait sa photographie. Jamais je ne pourrais plus effacer cette tristesse de sa figure. Dès son arrivée, ma mère était descendue sur cette plage, dont ma grand-mère lui parlait tous les jours dans ses lettres. Elle avait l'air d'aller à la recherche d'une morte que les flots devaient ramener. Ta grand-mère n'aimerait pas te voir si malheureux. Mon pauvre petit chou, tu dois recommencer à sortir. Tu devrais voir Albertine. Je l'ai rencontrée, elle m'a dit tant de choses gentilles sur maman et sur toi. Je vais demander au directeur de la faire chercher. Mademoiselle Albertine est en bas, monsieur. Oh, cette pauvre madame. C'est bien elle. Ce jour-là, elle s'était 2 fois trouvée mal. Surtout Françoise, elle m'avait dit, il ne faut pas que mon petit-fils le sache. Puis elle m'a dit comme ça, si jamais il m'arrivait quelque chose, il faudrait qu'il ait un portrait de moi. Je n'en ai jamais fait faire un seul. À ce moment-là, elle ne croyait pas qu'elle reviendrait de Balbec. Vous vous sentez indisposé, monsieur? Non. Ma fille est là à causer avec vous pendant que votre visite est arrivée. Il faut que je descende. Avec une alambide comme elle, elle peut être partie. Elle n'aime pas attendre, mademoiselle Albertine. Allez la prévenir, Françoise. Je ne pourrais pas la voir aujourd'hui. Et puis un jour, la photographie de ma grand-mère me fut douce à regarder. Et après quelques jours encore, j'eus envie de réentendre le rire d'Albertine.
J'ai été aussi vite que j'ai pu. Mais elle se trouvait pas assez coiffée. Si elle n'est pas restée une heure d'horloge à se pommader, elle n'est pas restée cinq minutes. Ça va être une vraie parfumerie ici. Elle vient. Elle est restée en arrière pour s'arranger encore devant la glace. Je vous annonce, mon cher ami, que contrairement à ce qui devait d'abord se faire, je resterai à Balbec la saison entière. Alors ne pourrions-nous pas, comme la première année, nous voir tous les jours ? Ma petite Albertine, en ce moment, je suis encore trop triste. Si vous le voulez bien, je vous ferai plutôt chercher de temps en temps, au dernier moment, comme à Paris. Si jamais vous vous sentez de la peine et que le cœur vous en dit, n'hésitez pas, faites-moi chercher. Je viendrai en vitesse et je resterai aussi longtemps que vous voudrez. Prenez en note les dates où je devrais m'absenter et les adresses des amis où je passerai quelques jours. Pour si vous avez besoin de moi de ces soirs-là. Vous ? Qu'est-ce que vous faites là ? Le train a eu une panne. J'attends qu'il puisse repartir. Vous venez plutôt avec nous au casino ? Oui. Pas aujourd'hui, ma petite Albertine. Je vais faire une visite. À votre gré. Allons-y, mes petites. Les Verts du Rhin avaient loué à Douville un des châteaux des Cambremer. Elle avait grande envie de me voir. À Paris, je n'avais jamais profité de leurs invitations. Ah, quelle bonne surprise ! Je suis venu à Incarville pour consultation, figurez-vous. Je me préparais à aller faire une visite à Madame Verdurin, qui m'a invité plusieurs fois. Je me suis trouvé arrêté ici par une panne du train. Je vous emmène chez les Verdurin illico ! Je m'apprêtais à reprendre Petit Tortillard pour aller y dîner. On m'a dit que la panne serait assez longue. Entrons un moment au casino ? Vous voilà donc ? Regardez, docteur, comme il danse bien. Quel ravissement ! Oui, mais les parents sont bien imprudents qui laissent leur fille prendre de pareilles habitudes. Je ne permettrai certainement pas aux miennes de venir ici. Mais tenez, regardez-les. J'ai oublié mon lorgnon et je ne vois pas bien, mais elles sont certainement au comble de la jouissance. On ne sait pas assez que c'est surtout par les seins que les femmes l'éprouvent. Et voyez, les leurs se touchent complètement. Je préfère rentrer à l'hôtel. J'irai chez les Verdurin un autre jour. Ce fut ce jour-là que commença à prendre consistance ma cruelle méfiance. Parfois... Oh bien, vous savez, je ne l'ai pas trouvée. Si des fois elle revient, on lui fera la commission. J'attendais jusque tard dans la nuit, mais Albertine ne venait pas. D'autres fois, je l'avais près de moi, et elle semblait pressée de me quitter pour aller à un autre rendez-vous. Je me sens souffrant. Je vous supplie de rester avec moi. C'est impossible, mon petit. Cette dame reçoit à 5 heures et il faut que j'y sois. Mais on peut bien manquer une visite. Pour un ami malade. Cette dame en voudrait et me ferait des histoires avec ma tante. Et puis, je tenais rendez-vous chez elle à des amis. Je sens que l'air me fera du bien. Puisque vous ne pouvez pas lâcher la dame, je vais vous accompagner jusqu'à sa porte, à Infreville. Visiblement, ça vous ennuie que je vous accompagne. Vous savez bien que mon plus grand plaisir est de dîner avec vous. Pourquoi n'irions-nous pas de l'autre côté de Balbec ? J'en ai soupé d'Infreville et de ses petits coins verts épinards. Mais l'amie de votre tante sera fâchée ? Elle se défâchera. Que j'y aille n'importe quand, ça fera l'affaire. Non, Albertine. Allez chez votre dame d'Infreville. Ou chez la personne dont elle a le prénom, cela m'est égal. Je n'irai pas avec vous parce que vous ne le désirez pas. La promenade avec moi n'est pas celle que vous vouliez faire. La preuve en est que vous n'avez cessé de vous contredire. Je change tout pour passer une bonne soirée avec vous. C'est vous qui ne voulez pas et vous m'accusez de mensonge. Eh bien, c'est entendu, je pars. Vous êtes trop méchant aujourd'hui. Vous n'avez aucune confiance en moi. Ça me fait beaucoup de peine. Regardez. La sœur de Bloch et sa petite cousine Esther. C'est la sœur de Bloch qui vit avec cette actrice, Léa. Et elle ne s'en cache pas, je peux vous le dire.
On m'a dit qu'ici, hier soir, elles ont causé un énorme scandale. Elles se sont mises sur un canapé, dans un coin même pas obscur. Et là, elles ne se sont pas plus gênées que si elles avaient été dans un lit. Et des gens se sont plaints au directeur. On les a mises dehors, c'est dégoûtante. Même pas. Tu penses? C'est Youpin là, ça a des millions et des millions. Oh, là-dessus, je suis comme Albertine. Il n'y a rien qui nous fasse horreur à toutes les deux comme cela. Est-ce que la petite blonde qui est avec elle n'est pas celle qui a eu le prix hier, dans la course pour les voitures de fleurs? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a une qui est blonde? Je vous dirais qu'elle ne m'intéresse pas. Je ne les ai même pas regardées. Elles n'ont pas eu l'air de nous regarder beaucoup non plus. Elles ne nous ont pas regardées. Elles n'ont pas fait autre chose tout le temps. Mais vous ne pouvez pas le savoir, vous leur tourniez le dos. Eh bien, ceux-là. Octave. Elles sont assez jolies, les filles blanches. Mais comment elles sont actifées? Ça va faire peur. Je suis dans les genoux. C'est tout l'opposé des petites dans vos sacs. Elles sont très gentilles, mais tellement dénervées qu'on n'arrive pas à aller au casino. Surtout à cause de nous, parce que nous avons... Demain, irons-nous goûter sur la falaise ou à la ferme? Demandons à André Albertine. Oui, à Bille ou Rodin. Demain, irons-nous goûter sur la falaise ou à la ferme? Nous avons dit à Monsieur Elstir que nous passerons le voir. Ensuite, je veux rentrer à la maison. Au lieu d'aller en bande, ce serait gentil de se voir tous les deux derrière le petit bois, dans la cabane inhabitée. Pour vous parler franchement, je commence à trouver cette vie vraiment stupide. Maman me reproche de ne rien faire et à juste titre. Elle me demande au moins de lire si je ne travaille pas. Pour visiter la cabane derrière le petit bois, vous vous trouverez sans mal une autre compagnie. Au revoir. Ça va, ça va. Au revoir. Bien Albertine, qu'est-ce que tu fais? Tu sais là? Rentrez, j'ai à causer avec lui. Montons dans ma chambre. Moi, je vais voir monsieur. Qu'est-ce que vous avez contre moi? Que j'ai pu faire. Les mouettes sont à nouveau posées sur les flots, mais maintenant elles sont roses. Ne détournez pas la conversation, soyez francs. Je vais vous le dire. Voilà. J'aime André. Avec passion. Vous savez ce qu'est l'amour, ses souffrances. Et peut-être en ami, aurez-vous à cœur de les faire cesser? Oh, regardez ce vol majestueux. Et au moins, va droit au but. Qu'attendez-vous de moi? Dites-le. Je suis certain de vous fâcher. Je vous jure que je ne me fâcherai pas. Des gens m'ont parlé de vous. Ce qu'on m'a raconté de votre genre de vie. Malgré le dégoût que m'inspirent les femmes atteintes du même vice. Je ne m'en suis pas soucié jusqu'à ce qu'on m'ait nommé votre complice. Vous pouvez comprendre au point où j'aime André la douleur que j'en ai ressentie. Dites-moi qui est ce calomniateur inconnu. Je veux me trouver face à lui et le confondre. Mais vous ne me le direz pas, n'est-ce pas? Si cela était vrai, je vous l'avouerais. Mais André et moi, nous avons aussi horreur l'une que l'autre de ces choses-là. Et nous ne sommes pas arrivés à notre âge sans voir des femmes aux cheveux courts qui ont des manières d'hommes et rien ne nous dégoûte autant. Je vous remercie de ce que vous me dites. Vous voyez comme vous êtes tourmenté sans raison. Notre réconciliation est faite. Je ne serai plus jamais dur avec vous. Il me semble que vous devriez rentrer dîner. Votre tante sera fâchée. Elle comprendra très bien. Est-ce que vous n'êtes pas bien comme cela? C'était une caresse qu'elle ne m'avait encore jamais faite. Pour commencer, je ne desserrai pas les lèvres. Quel grand méchant vous faites. J'aurais dû partir ce soir-là sans jamais la revoir. La saison battait son plein. Balbec était maintenant peuplé de jeunes filles. J'aurais voulu qu'aucune femme ne vînt plus à Balbec. Quel scandale! Quel honteux spectacle pour la jeunesse! Vite, trouvons un compartiment vide où je puisse vous embrasser tout le long du trajet. Pour empêcher Albertine de rester au casino et sur la digue sans moi, je lui avais demandé ce jour-là de m'accompagner à Doncières, où j'allais revoir Saint-Loup. Ah, mon jeune ami, bonjour! Monsieur le baron,
Monsieur le baron de Charlus, Albertine Simonet, une de mes jeunes amies de Balbec. Sachant que je devais partir et prendre le train pour Paris, mon neveu Robert m'a chargé de l'excuser auprès de vous si je vous voyais. Votre télégramme lui est parvenu trop tard pour qu'il puisse se dégager. À présent, c'est à vous de me rendre le service d'appeler ce militaire, parent à moi, qui est de l'autre côté de la voie. Il est dans la musique du régiment. Vous avez la chance d'être assez jeune et moi, l'ennui d'être assez vieux pour que vous puissiez m'éviter de traverser. Je vous rejoins dans la salle d'attente. Oh, ça alors? C'est vous, Morel? Vous êtes à Dancières, comment cela? Si par hasard vous vous en souvenez, je suis premier prix de violon du conservatoire. Et l'on m'a incorporé dans la musique au service des batteries. Je m'en souviens, bien entendu. Et comment se porte votre père? Vous m'avez dit qu'il était souffrant. Je dors un peu de musique. Je donne 500 francs pour la soirée. Cela pourrait peut-être avoir quelque intérêt pour un de vos amis, si vous en avez dans la musique. Au revoir, mon cher. Au revoir, monsieur. Au revoir, au revoir. Ils ont organisé. Ce qui me stupéfiait, c'est qu'avant de partir pour Paris dans 5 minutes, le baron demanda à entendre de la musique. Le train de Paris est signalé, monsieur. Mais je ne prends pas le train. Mettez mes bagages en consigne, que diable. J'eus un éclair et compris que monsieur de Charlus ne connaissait pas le moins du monde Morel et que pour Morel, l'offre de 500 francs avait remplacé l'absence de relations antérieures. Je vous demande pardon de vous avoir laissé seul. Ce jeune militaire que connaît monsieur de Charlus, il se trouve que je le connais également. Il s'appelle Charlie Morel. Il est le fils du valet de chambre de mon grand-oncle, qui est mort récemment. Il m'a rendu visite à cette occasion. Jusque-là, il m'était inconnu. Tu trouves que je ressemble à ta pauvre grand-mère? J'ai cru pendant un instant que je rêvais. Albertine vient avec toi chez les Verdurin? Non. Elle passe quelques jours chez sa tante, Madame Bontemps. Le président Toureuil et sa femme m'ont dit qu'ils avaient déjeuné avec Madame Bontemps. J'ai cru comprendre qu'un mariage entre Albertine et toi serait le rêve de sa tante. Mais toi, comment trouves-tu Albertine? Actuellement, je ne peux pas te dire comment je trouve Albertine. Je ne la trouve pas, mais je la trouverai toujours bien, si elle doit te rendre heureux. Un peu plus loin d'une pipe, c'est ce qu'on appelle arriver à pic. Croyez-vous que nous ayons manqué le train, Madame Verdurin, s'apercevant que les voitures revenaient sans nous? Tableau! Brichot. Fabienne. Vira Dobetsky, à Plumoski. Ah, si ce sont vos débuts chez Madame Verdurin, monsieur, vous verrez qu'il n'y a pas de milieu où l'on sente mieux la douceur de vivre. On doit être toujours sans nouvelles du violoniste? Il a été sûrement fourré au bloc. Ah. Et c'est un jeune violoniste qui fait son service près de Doncières, qui venait 3 fois par semaine dîner à la Raspelière, car il a la permission de minuit. Avant-hier, il était attendu et pour la première fois, il n'est pas apparu. À propos du jeune violoniste, j'oubliais Cotard de vous parler de la grande nouvelle. Saviez-vous que notre pauvre ami de chambre, l'ancien pianiste favori de Madame Verdurin, vient de mourir? C'est effrayant. Ce sera d'autant plus mortifiant pour Madame Verdurin si le violoniste lâche encore ce soir qu'elle reçoit justement pour la première fois à dîner ses voisins qui lui ont loué la Raspelière, le marquis et la marquise de Cambremer. Le marquis et la marquise de Cambremer? Oh, oh, sapristi! Eh bien, pour vos débuts, vous mettez dans le mille. Cela va être une chambrée exceptionnellement brillante. Quoi qu'entre nous, nous savons que pour la patronne, c'est une corvée de recevoir les Cambremer. Vous n'allez pas me laisser seule en tête à tête avec ces Chinois-là. Il faut au contraire que nous soyons en nombre pour supporter l'ennui. Naturellement, nous ne pourrons parler de rien de ce qui nous intéresse. Ce sera un mercredi de raté. Que voulez-vous? À la Raspelière comme à Paris, Madame Verdurin ne donnait pas de dîner. Elle avait des mercredis. Comme c'est touchant.
que les Verdurins nous aient envoyés chercher à la gare. Oh, vous exagérez beaucoup. Une simple politesse. Les amis! J'ai bien fait de mettre mon smoking puisque j'ai des hommes si chics. Je suis confus. Je m'excuse d'être en veston. Ce n'est pas grave, voyons. Ici, ce sont des dîners de camarades. Je suis transporté d'admiration par la beauté de ce pays. Ah, tant mieux. Et vous n'avez rien vu, nous vous le montrerons. Eh bien, ce pauvre de chambre. Oui, c'est affreux, mais nous n'y pouvons rien. Bon, posez vite vos affaires, nous avons une bouillabaisse qui n'attend pas. Surtout, au nom du ciel, n'allez pas parler de deux chambres à Madame Verdurin. Je vous jure, quand elle a appris qu'il était mort, elle a presque pleuré. Monsieur Verdurin a raison. À quoi servent nos plaintes? N'importe, c'est un grand talent qui disparaît. Bon, c'est pas une raison parce qu'il est mort pour en faire un génie qui n'était pas. Le violoniste est retrouvé. Oh. Hier, il a gardé le lit à cause d'une migraine. Vous allez entendre ce soir un petit que ma femme a découvert. Il vient avec un vieil ami de sa famille qu'il a retrouvé et qui l'embête à crever. Le baron de Charlus. Pour votre première visite, je crains que la soirée ne soit pas une des plus réussies. Vous aurez au moins le plaisir des yeux. Au long de la route que nous avons suivie jusqu'ici, on aurait dit que le couchant tissait des soies d'or sous les feuilles des arbres. Il y avait un peuplier qui semblait peint sur la toile d'un panorama. À une telle hauteur au-dessus de la mer, la vue du gouffre bleuâtre donnait presque le vertige. N'est-ce pas? Il est visible que vous êtes doué pour la peinture. Est-ce que vous dessinez? Hélas, non. Croyez-moi, vous devriez. Vous devriez. Votre jeune ami est d'un naturel très enthousiaste. Mmh, il est très émotif. Il aurait eu besoin de calmant et de faire du tricot. Ce mercredi ne vaudra pas notre mercredi. J'ai une surprise pour vous. Quoi donc? Comment pourrais-je voir les rochers de Darnetal, qu'on m'a dit adorables à cette heure-ci où ils réfractent tant de couleurs? Il faudrait aller au bout du parc, à la vue de la baie. Mais vous ne pouvez pas y aller tout seul, vous vous perdriez. Je vais vous y conduire, si vous voulez. Tu n'as pas assez des douleurs que tu as prises l'autre jour. Il verra la vue de la baie une autre fois. J'entends la voiture qui revient. Ah! Je crois de mon devoir de vous prévenir que vous faites un pas de clair en laissant s'introduire chez vous ce baron de Charlus qui est un individu taré, connu comme le loup blanc pour être l'incarnation même de l'inversion. Je ne crois jamais ces racontars-là. Et puis quand ce serait vrai, ce ne serait pas très compromettant pour moi. Ah oui, les voici! À la place de monsieur de Charlus, on aurait cru voir s'avancer madame de Marsante, sa sœur. À force de penser tendrement aux hommes, on devient femme et une robe postiche entrave vos pas. Madame. Que monsieur me permette de lui présenter mes très respectueuses salutations. J'ignorais que j'aurais l'honneur de le trouver ici. Monsieur me rendrait un bien grand service en cachant entièrement à madame Verdurin et à ses invités le genre de profession que mon père a exercé chez votre oncle. Il vaudrait mieux dire qu'il était dans votre famille l'intendant de domaines si vastes que cela le faisait presque l'égal de vos parents. Cela me contrarie. Non de grandir la situation de votre père, ce qui m'est tout à fait égal, mais la fortune du mien, ce que je trouve ridicule. Comme dit ma femme, ce sont des ennuyeux, mais je vais le faire. Vous avez ma parole. Dès que j'eus parlé à madame Verdurin, le respect de Morel à mon égard s'envola comme mais par enchantement. Je suis contente que le père de notre Morel ait été si bien. Mais c'est de peu d'importance, car ici, nous n'apprécions que la valeur propre. Pourvu qu'on soit d'art, le reste importe peu. Les cambremères arrivent. Ah! Baron de Charlus qui est là. Jamais elle n'avait réussi à se le faire présenter. Je suis contente de vous être décidée à venir, n'est-ce pas? Madame est servie. Qu'est-ce qu'il est? Marquise, je crois que... Est-ce que je donne le bras au baron de Charlus? Non, l'autre est d'un grade supérieur puisqu'il est marquis. Monsieur de Charlus est son inférieur. Et je lui dis que j'aimerais beaucoup l'entendre. Je retrouve avec plaisir notre chère Raspelière. Vous devez pourtant trouver quelques changements. Il y a de grands diables de bronze et des sièges un peu luches que je me suis empressée d'expédier au grenier.
Quand vous arrivez à ces sites relativement élevés comme celui où nous nous trouvons aujourd'hui, est-ce que vous trouvez que cela augmente vos étouffements? Je ne peux pas vous dire comme ça m'amuse d'apprendre que vous avez des étouffements. Oui, ça m'amuse parce que justement ma sœur en a aussi. Balbec est probablement une corruption de Dalbec. La rivière qui a donné son nom à Balbec est très curieuse. Vue de la falaise, elle semble refléter les flèches de l'église situées en réalité à une grande distance. C'est un effet qu'Elstir aime beaucoup. J'en ai vu plusieurs esquisses chez lui. Ah ! Elstir ! Vous connaissez Tish ? Mais vous savez que je l'ai connu dans la dernière intimité. Il avait son couvert mis chez nous, il venait tous les jours. Et perdre du temps, que je nuisais à son génie, moi. Du jour où il a quitté notre petit noyau, ça a été un homme fini. Ce qu'il fait aujourd'hui, j'appelle cela du barbouillé. Excusez-moi de vous parler de ces riens, car je suppose bien le peu de cas que vous en faites. Les esprits bourgeois y font attention, mais les artistes, les gens qui en sont vraiment, s'en fichent. Or, de les premiers mots que nous avons échangés, j'ai vu que vous en étiez. Oh, ne protestez pas, cher monsieur. Vous en êtes. C'est clair comme le jour. Il n'est pas nécessaire que vous exerciez un art. Brichot n'en est pas. Morel en est. Ma femme en est. Que voulez-vous, ce genre de ça ? Que vouliez-vous me dire ? Nous vous avons mis seulement à gauche. Mais cela n'a aucune importance, ici. Mais c'était à dessein, puisqu'il y avait monsieur de Cambremer, et qu'il est marquis, comme vous n'êtes que baron. Permettez, je suis aussi le duc de Brabant, prince de Léron, de Carency, de Viareggio et des Dunes. Mais ne vous tourmentez pas. J'ai tout de suite vu que vous n'aviez pas l'habitude. Ça me fait de la peine. Est-ce que nous pouvons faire un... Pauvre Elstir a gâché un joli tempérament de peintre. Au fond, c'était un médiocre. Non, je ne sais pas. Il n'aime pas. D'abord, il était d'un sale. Vous aimez beaucoup ça, vous, les gens qui ne se lavent jamais? Cette partie de cartes, la faisons-nous, oui ou non? J'exige d'abord un peu de violon, mon petit Charles. À mon grand étonnement, monsieur de Charlus, qui ne parlait jamais des grands dons qu'il avait, se mit au piano pour accompagner Morel avec le style le plus pur. Sous l'action des innombrables névralgies que la musique lui avait occasionnées depuis des années, le front de Madame Verdurin avait pris des proportions énormes. Tous ses traits proclamés sans que la patronne eût besoin de parler, sa résignation aux souffrances prochaines infligées par le beau et le courage qu'il y avait à mettre une robe quand on relevait à peine de la dernière sonate. Ça, c'est divin. J'ai assez de musique pour ce soir. Pouvons-nous jouer aux cartes à présent? Je crois que nous manquons de partenaires pour un whist. Alors, je fais une partie d'écartée avec vous, si vous... Croyez-vous que ce n'est pas un crime que cet être-là, qui pourrait nous enchanter avec son violon, soit assis à une table d'écartée? Il joue bien aux cartes, il fait tout bien, il est si intelligent. Voyons. Dites donc, Charlus, vous m'aviez dit que vous connaissiez Madame de Molay. Est-ce que vous allez chez elle? Mais quelquefois. Est-ce que vous y avez rencontré le duc de Guermantes? Ah, je ne me rappelle pas. Ah, vous ne connaissez pas le duc de Guermantes? Mais comment est-ce que je ne le connaîtrais pas? Mais pourquoi dites-vous comment est-ce que je ne le connaîtrais pas? Puisqu'il est mon frère. Ah. Je coupe. Allons nous asseoir. Oui, à tout pour moi. J'ai entendu que monsieur de Cambremer vous invitait à dîner à Féterne. Dans votre intérêt, j'espère que vous n'irez pas, c'est excessivement malsain.
Quand vous aurez pincé une fluxion de poitrine ou des bons petits rhumatismes des familles, vous serez bien avancé. Vous parlez de vos étouffements. Et est-ce que l'endroit n'est pas très joli? Très joli, c'est trop dit. Même 100 fois mieux ici. Je crois que je serai obligé d'y aller une fois ou deux. J'ai une jeune cousine que je ne peux pas trop laisser seule. Et je l'ai déjà présentée aux cambre-mères qui l'ont invitée. Je comprends qu'ils soient heureux de l'inviter. Ils ne peuvent arriver à avoir personne. En attendant votre dîner, cambre-mère, amenez-la ici, votre cousine. Au moins ici, vous aurez tous les deux à manger. Faites terne, c'est la faim et la soif. Si vous aimez les rats, allez-y tout de suite, vous serez servi à souhait. C'est pour moi? Oh, c'est que vous êtes gentil. Puisque vous allez avoir votre auto, vous serez mieux ainsi. J'aurai une auto? Avec la température étouffante de ces jours-ci, ma petite Albertine a eu très chaud dans le train. Lors de nos sorties, j'ai décidé qu'une auto viendrait nous chercher désormais. Comme tu dépenses de l'argent. Disait ma mère soucieuse et Françoise Bougonnet. L'argent file. Ah ! Vous aimez faire des surprises, vous ! J'arrive du jardin, de la basse-cour et du potager. Vous me trouvez attifée comme une paysanne, ce que je suis au fond. Nous faisions une promenade en automobile dans les environs et nous nous sommes permis. Vous avez bien fait, mais vous auriez pu vous casser le nez, mes enfants. C'est le lundi qu'on me trouve toujours pour le goûter. Je voulais vous présenter ma cousine, Albertine. Vous devez venir un lundi tous les deux pour goûter toutes nos pâtisseries, les meilleures qu'on puisse trouver dans la région. Mais vous ne pouvez pas repartir sans goûter. Vous allez avoir des sablés et de la tarte aux pommes. Notre chef les fait comme personne. C'est à regret que nous nous priverons de tarte aux pommes aujourd'hui. Nous devons déjà repartir. Tu sais quoi? Je les ramènerai. Je pars avec vous. Oh ben, je veux être de la fête, moi aussi. Et nous reviendrons tous les deux par le train. Je ne voulais pas permettre à la patronne de gâcher le plaisir que je m'étais promis de prendre avec Albertine au retour de notre promenade. Nous avons une visite à faire. Nous vous attendrons. Ma cousine a un gros chagrin sur lequel elle veut me consulter. Il faut absolument que je sois seule avec elle. C'est bon! Nous ne viendrons pas. Ah? Non. Je me croyais brouillée avec elle. Ne lâchez pas, après demain! C'est mercredi! Attendez! Attendez! Ce sont des carrés de tarte et des sablés que Madame Verdurin a fait envelopper pour vous. Merci. Parfois, Albertine trouvait plus sage de rester à Saint-Jean-de-la-Hez pour peindre. Je reviens vous chercher tout à l'heure. Tout en feignant d'être obligée de délaisser Albertine pour d'autres plaisirs, je ne pensais qu'à elle. Même à une assez grande distance, j'avais la joie de penser que cette puissante et douce brise marine qui passait à côté de moi devait venir agiter les branches des arbres à Saint-Jean-de-la-Hez en caressant le visage de mon ami et nous reliant ainsi l'un à l'autre. Quand nous prenions le chemin du retour, Albertine quelquefois me demandait d'aller chercher une bouteille de cidre pour le boire dans la voiture. Après qu'elle avait bu, elle semblait ne plus pouvoir supporter entre les mois d'intervalle. Ses jambes se serraient contre mes jambes. Elle approchait de mes joues ses joues, qui étaient devenues blêmes, chaudes et rouges aux pommettes, avec quelque chose d'ardent et de fané, comme en ont les filles des faubourgs. En dehors de son talent qui est grand, Morel est un gentil garçon, plein de délicatesse, reconnaissant de ce qu'on fait pour lui. Quand il parlait de Morel, ce qu'il ne pouvait s'empêcher de faire, le baron pensait que cela serait entendu en toute innocence. Et malgré sa rare beauté... Il pensait bien qu'il y avait dans l'univers quelques personnes qui étaient, selon l'expression, fixées sur son compte. Mais il se figurait qu'elles n'étaient pas plus que trois ou quatre et qu'il n'y en avait aucune sur la côte normande.
Quelle stupeur pour Monsieur de Charlus s'il avait entendu la patronne dire lors d'un précédent déjeuner. Nous n'attendons plus que ces demoiselles. Je me suis avisé que votre prénom est Charles, qui ressemble à Charlus, et que la propriété où nous nous voyons, vous et moi, s'appelle les Charmes. Un joli nom est la moitié d'une réputation artistique. Il m'est apparu que vous devez sans hésiter prendre le nom de Charmel, qui nous rappellera le lieu de nos rendez-vous. Charmel ? Et puis quoi encore ? Je ne suis pas un toutou que vous pouvez baptiser à votre fantaisie. Vous ne me ferez pas changer de nom. Puisque vous ne voulez pas de Charmel, je désirerais vous anoblir et vous donner l'un des titres de la famille des Guermantes. Mon nom d'artiste diplômé Morel est 1000 fois supérieur à mes yeux à n'importe quel nom que vous pourriez me donner. Mes enfants ! Mes petits-enfants ! Les allers-retours à la Raspelière réveillaient en moi le désir de faire des voyages, de mener une vie nouvelle, d'abandonner toute idée de mariage avec Albertine et même de rompre définitivement nos relations. Eh bien moi, je vous dis adieu, je vous quitte là. Adieu ? Mais comment ça, adieu ? Je croyais passer la fin d'après-midi à la soirée avec vous. Ah non, j'ai affaire. Au revoir. Que vous vous retrouvez seul d'une façon imprévue. Ne voulez-vous pas que je vous accompagne un peu ? Je veux bien, oui. À demain ! Rentre de ton côté. Je te retrouverai ce soir. Je vous demande un grand service. Vous allez prendre une auto pour aller plus vite. Vous trouverez encore Morel dans sa chambre. Vous allez lui donner ce mot. Excusez-moi de le fermer. Vous lui direz que vous m'avez rencontré par hasard en compagnie de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Que vous avez cru surprendre les mots en voie de témoin. Je me bats demain. En effet. Surtout, ne lui dites pas que je le demande. Mais s'il voulait venir avec vous, n'empêchez pas de le faire. Oui, entrez. Oh, mon vieux, quelle chance de vous voir. Je n'ai rien à faire de ma soirée. Je vous en prie, passons-la ensemble. On ira en canot, on fera de la musique, ce que vous voudrez. J'ai déjà rendez-vous à Balbec pour dîner. Je vous apporte un mot de Monsieur de Charlus. Il faut qu'il vienne me relancer jusqu'ici. Alors, je suis un esclave. Je n'ouvre pas la lettre. Vous lui direz que vous ne m'avez pas trouvé. Ne feriez-vous pas mieux d'ouvrir ? Je crois qu'il y a quelque chose de grave. Vous ne connaissez pas les mensonges, les ruses infernales de ce vieux Forban. C'est un truc pour que j'aille le voir. Eh bien, je n'irai pas. Je veux la paix ce soir. Est-ce qu'il n'y a pas un duel demain ? Un duel ? Je ne sais pas un mot de ça. Partout, je m'en fous. Ce vieux dégoûtant peut bien se faire zigouiller si ça lui plaît. Après tout, vous m'intriguez. Oh mon Dieu, il ne manquait plus que ça. On lui a rapporté que deux officiers de mon régiment ont mal parlé de lui à mon propos. Il va leur envoyer ses témoins. Je devrais quitter le régiment dans le scandale et la honte. Où est-il ? Dieu sait où le trouver maintenant. Que venez-vous faire ici ? Je vous avais recommandé surtout de ne pas le ramener. Je viens, au nom de notre amitié, vous supplier, à deux genoux, de ne pas faire cette folie. Mes lettres pour mes témoins sont parties. Si vous ressentiez cette amitié que vous invoquez, vous devriez m'approuver, au contraire, de ne pas laisser passer les basses insinuations de cette soldatesque. J'espère au moins que mes deux adversaires, malgré leur rang inégal, sont d'un sang que je peux faire couler sans honte. Je n'y survivrai pas.
Mais ces témoins ne doivent-ils pas vous voir avant d'aller trouver cet officier? Je pense que si. Permettez-moi de ne pas vous quitter pour tâcher de vous faire entendre la voix de la raison. Monsieur de Charlus avait inventé toute cette histoire. Mais si Morel n'était pas venu, fou comme était Monsieur de Charlus, il eût envoyé ses témoins à un officier quelconque, avec lequel il lui eût été un soulagement de se battre. J'essaierai de trouver une échappatoire. Nous verrons. Cette réconciliation ne mit fin que pour un temps au tourment du baron. Je ne serai pas parti longtemps, mon chéri. Je suis content de pouvoir te donner satisfaction avant ton départ. Irrévocablement, je suis décidé à ne pas épouser Albertine. Et à cesser prochainement de la voir. Je ne te cache pas que tu me fais un grand plaisir. Je n'attends qu'une occasion pour le lui annoncer. Le même jour, comme je revenais avec Albertine de dîner à la Raspelière, une fois tous les fidèles descendus à l'une ou l'autre gare, je sentis que je n'aurais pas le temps ce soir-là et qu'il valait mieux remettre au lendemain. Alors demain, revers du Rhin? Vous n'oubliez pas que c'est vous qui venez me prendre? À moins que je ne lâche, car je commence à trouver cette vie vraiment stupide. En tout cas, si nous y allons, il faudra que je pense à demander à Madame Verdurin quelque chose qui pourra m'intéresser beaucoup. Et me donner du plaisir. Car j'en ai vraiment bien peu cette année à Balbec. Ce n'est pas aimable pour moi, mais je ne vous en veux pas. Parce que je sens que vous êtes nerveux. Quel est ce plaisir? Que Madame Verdurin me fasse jouer des choses d'un musicien dont elle connaît très bien les œuvres. J'en connais une, mais il paraît qu'il y en a d'autres. Quel est ce musicien? Ma petite chérie, quand je t'aurais dit qu'il s'appelle Vinteuil, en seras-tu beaucoup plus avancée? Vous ne savez pas comme vous m'amusez. Cela me dit beaucoup plus que vous ne croyez. Vous vous rappelez que je vous ai parlé d'une amie plus âgée que moi, qui m'a servi de mère, de sœur, et que je dois retrouver à Cherbourg dans quelques semaines? Eh bien, cette amie est justement la meilleure amie de la fille de ce Vinteuil. Et je connais presque autant la fille de Vinteuil. Je ne les appelle jamais que mes deux grandes sœurs. Je ne suis pas fâchée de vous montrer que votre petite Albertine pourra vous être utile à quelque chose. Albertine? Amie de Mademoiselle Vinteuil et de son amie, pratiquante professionnelle du saphisme. Est-ce qu'il serait matériellement possible que vous veniez coucher ce soir à Balbec? Voilà, allongez-vous. Serez-vous bien ainsi? Je suis honteux de vous empêcher d'aller dormir dans votre chambre. J'irai tout à l'heure, ne vous tourmentez pas. Quand je suis venue à Balbec, j'ai quitté une femme que j'ai renoncé à épouser. Je savais qu'aujourd'hui, elle quittait Paris pour un long voyage. Tous les jours, j'étais au bord de lui télégrapher que je ne pouvais vivre sans elle. J'ai eu le courage de ne pas le faire. Et elle est partie. Mais ce soir, j'étais si malheureux que j'ai cru que je me tuerais. C'est pour cela que je vous ai demandé de rester avec moi. Mon pauvre petit, je ne vous quitte plus. Je vais rester tout le temps ici. Mais c'est à ce moment où on nous verra. Et bien, si on nous voit, ça n'en sera que meilleur. C'est que moi, je voudrais partir aujourd'hui pour Paris. Ne partiriez-vous pas avec moi? Et ne voudriez-vous pas venir un peu habiter avec nous, à Paris? Quel besoin avez-vous de rentrer si vite à Paris, puisque cette dame est partie? À tout prix, il fallait la garder près de moi, pour l'empêcher de rejoindre l'ami de Mademoiselle Vinteuil. J'ai trop souffert ici. Et j'ai pris Balbec en horreur. Devriez épouser cette dame, mon petit. Vous seriez heureux. Et elle aussi, sûrement. D'un certain point de vue, je pourrais rendre une femme heureuse. J'ai fait un gros héritage qui me permettrait de lui donner beaucoup de luxe. Ma petite Albertine, vous qui aimez tant faire de l'auto et du yachting, il est malheureux que vous ne soyez pas celle que j'aime. Mais je n'ai pas osé l'épouser. Je n'aurais pas voulu faire vivre une jeune femme auprès de quelqu'un de si souffrant, de si ennuyeux. Mais vous êtes fou. Tout le monde voudrait vivre auprès de vous. Regardez comme tout le monde vous recherche. Elle n'a donc pas été gentille, cette dame, pour vous donner cette impression de doute sur vous-même? En dehors de celle que j'ai aimée, à laquelle j'ai renoncé, je ne tiens qu'à ma petite Albertine. Il n'y a qu'elle qui pourrait un peu me consoler. Alors acceptez-vous mon invitation pour Paris ?
Ma tante ne voudra pas que je parte ainsi de but en blanc. Même si plus tard elle l'accepte, est-ce que cela n'aura pas l'air drôle que je descende ainsi chez vous? Nous dirons que nous sommes un peu fiancés. Au réveil, j'irai rassurer ma tante qui est peut-être inquiète et parler avec elle. Je vous rejoindrai dans l'après-midi. Envoyez le lift avec un mot pour votre tante. Restez à l'hôtel près de moi. Oh, c'est entendu. Allez dormir, ma petite chérie. Je l'embrassais comme j'embrassais ma mère jadis pour calmer mes chagrins d'enfant. Albertine était venue à Paris habiter sous le même toit que moi. Elle avait sa chambre à 20 pas de la mienne au bout du couloir. Françoise s'était chargée de lui apprendre à respecter mes heures de sommeil et elle attendait patiemment chaque matin que je sois réveillée pour oser faire du bruit en se baignant dans son cabinet de toilette. Alors, souvent, dès que je l'entendais, j'allais dans ma salle de bain contiguë à la sienne. Oh, comme il endort le cœur, la fatigue et les douleurs sont des folles. Et qui les écoute est encore plus fou. À nous deux, toi qui console, Bignou, mon cher Bignou. Où comptez vous aller aujourd'hui? Je crois qu'André veut me mener au but de Chaumont que je ne connais pas. D'autres fois, je restais couché, rêvant aussi longtemps que je le voulais. Si au début, ma mère, qui s'inquiétait de me laisser seule, n'avait pas été hostile à Albertine, maintenant elle m'écrivait de Combray. Mon chéri, décidément, je trouve bizarre et choquant qu'une jeune fille habite seule avec toi et que son séjour se prolonge ainsi en l'absence de tes parents. La défense d'entrer chez moi avant que j'eusse sonné amusait beaucoup Albertine. Elle avait pris notre habitude familière des citations. La mort est le prix de tout audacieux qui, sans être appelé, se présente à mes yeux. Je suis à cette loi comme une autre soumise et sans le prévenir, il faut, pour lui parler, qu'il me cherche ou du moins qu'il me fasse appeler. Vous êtes déjà rasée. Que vous êtes jolie. J'aimerais mieux mourir que vous quitter, je le jure. Quand je prends un livre qui a été dans votre chambre, je peux le lire dehors. On sait tout de même qu'il vient de chez vous. Parce qu'il garde quelque chose de vos sales fumigations. Sortirez-vous avec nous aujourd'hui? Il faut encore me pardonner de ne pas vous accompagner. Je me sens trop souffrant, ma pauvre petite. Je voudrais essayer de travailler un peu. À peine Albertine était-elle partie que je me sentais d'abord vivifiée, avec la soif de guérir, d'être libre, de connaître d'autres femmes, de partir pour Venise. Mais déjà la journée finissait et j'étais envahie par la désolation du soir. À cette heure-là, je savais trouver Madame de Guermantes chez elle. Albertine aimait que j'aille chez la duchesse chercher des conseils de toilette pour elle-même, et je ne savais pas me refuser de lui faire sans cesse cadeau de jolies choses. Sans presque penser combien c'était extraordinaire, je venais chez cette mystérieuse duchesse de Guermantes de mon enfance, uniquement afin d'user d'elle et obtenir des renseignements pratiques comme on fait du téléphone, instrument surnaturel jadis, et dont on se sert sans même y penser. Par exemple, madame, le jour où vous deviez aller dîner chez madame de Sainte-Verte avant d'aller chez la princesse de Guermantes, vous aviez une robe toute rouge avec des souliers rouges. Vous aviez l'air d'une espèce de grande fleur de sang, d'un rubis en flamme. Est-ce qu'une jeune fille peut mettre ça? Oh, je ne savais pas que j'avais l'air d'un rubis en flamme ou d'une fleur de sang. C'était du satin rouge, comme on en faisait à ce moment-là. Une jeune fille peut mettre cela à la rigueur, mais vous m'avez dit que la vôtre ne sortait pas le soir. C'est une robe de grande soirée. Cela ne peut pas se mettre pour faire des visites.
Et vous rappelez-vous, madame, la première fois où vous avez été aimable avec moi? La première fois où j'ai été aimable avec lui. Vous aviez une robe jaune avec de grandes fleurs noires. Mais mon petit, c'est la même chose. Ce sont des robes de grande soirée. Et cette robe de chambre qui sent si mauvais, que vous aviez l'autre soir, qui est sombre et striée d'or comme une aile de papillon. Ah, ça, c'est une robe de Fortuny. Votre jeune fille peut tout à fait mettre ça chez elle. J'en ai beaucoup, je vais vous en montrer. Je peux même vous en donner si ça vous fait plaisir. Ce peignoir de Doucet, j'en suis folle. C'est la mère d'André qui en ferait une tête de me voir devenue une dame riche comme elle. Ce qu'elle appelle une dame qui a chevaux, voitures, tableaux. Je ne vous ai jamais raconté qu'elle disait ça. Oh, c'est un type. Albertine, que j'avais tant de peine à rattraper jadis, filant sur son vélo. Elle que j'attendais parfois toute la nuit en vain. Albertine qui avait été comme une grande actrice de la vie des bains de mer, suscitant les jalousies. Je l'avais retirée de la scène, enfermée chez moi, et mise à l'abri des désirs de tous. Je n'étais pas médiocrement fière d'avoir cueilli, dérobée à tous, la plus belle rose. Quelquefois, même si je n'étais restée qu'un instant hors de ma chambre, en y entrant, n'osant pas faire de bruit, je n'en entendais pas d'autre que celui de son haleine venant expirer sur ses lèvres. Je lui trouvais l'air d'une longue tige en fleurs qu'on aurait disposée là. En la tenant sous mon regard, dans mes mains, j'avais cette impression de la posséder tout entière que je n'avais pas quand elle était éveillée. Ma seule main restée libre était soulevée par la respiration d'Albertine. Moi, j'étais déplacée légèrement par son mouvement régulier. Je m'étais embarquée sur le sommeil d'Albertine. Parfois, il me faisait goûter un plaisir moins pur. Mais ce plaisir de la voir dormir, il mettait fin le plaisir de la voir s'éveiller. Dans le besoin que j'avais de garder ainsi tous les soirs Albertine auprès de moi. Avez-vous seulement écrit quelque chose tantôt, mon petit chéri ? Se mêlait un pouvoir d'apaisement tel que je n'en avais pas éprouvé de pareil. Depuis les soirs lointains de Combray, où ma mère, penchée sur mon lit, venait m'apporter le repos dans un baiser. Et pour demain ? Quels sont vos projets? Il serait possible que j'aille chez les Verdurin. Je ne sais pas du tout si j'irai. Je n'en ai guère envie. Albertine employait toujours le ton dubitatif pour les résolutions irrévocables. Elle tenait à cette visite certainement pour y faire une rencontre, pour y préparer un plaisir. Si je me sens bien, est-ce que cela vous contrarierait que j'aille avec vous demain chez les Verdurin faire la visite que je leur promets depuis la Raspelière? Vous ferez comme vous voudrez. Mais je ne sais pas du tout si j'irai. Les Verdurin m'ont fait beaucoup de gentillesse, mais il y a des riens qui me déplaisent chez eux. Eh bien, n'y allez pas, ma petite chérie. Il y a au Trocadéro demain une superbe représentation de Charité. Je suis fatiguée. Nous avons beaucoup marché. Je vous demande la permission d'aller dormir. Albertine, ma petite fille, vous ne m'avez aucune obligation. Je voudrais être sûre que vous ne vous déplaisez pas chez moi. Je ne sais pas où je pourrais être plus heureuse. Bonsoir, mon petit. Son baiser, d'où elle-même était absente, me laissait une anxiété horrible. Elle vous fait dire qu'elle a renoncé à faire sa visite chez les Verdurin. Elle ira à la matinée au Trocadéro, comme vous le lui avez conseillé avec son ami André.
Elle demande si elle peut entrer chez vous. Françoise m'a dit que vous étiez éveillée. Françoise vous l'a dit. André et moi, ça ne nous dit rien d'aller chez les Verdurin. André m'attend. Je pars. Une fois Albertine partie, je sentis quelle fatigue était pour moi cette présence perpétuelle. Quel plaisir si elle avait eu la bonne idée de partir je ne sais où et de ne jamais revenir à la maison. Au programme de la matinée qui sera donnée cet après-midi dans la salle des fêtes du Trocadéro, il faut ajouter le nom de Mademoiselle Léa. Léa, l'actrice qui à Balbec vivait sans se cacher avec la sœur de Bloch. Tout le monde se connaissait à Balbec. Albertine irait féliciter cette femme dans sa loge. Albertine ! Albertine ! Je viens de partir, monsieur. Vite, Françoise, rattrapez-la. Allez au Trocadéro s'il le faut. Dites-lui que vous m'avez vu bouleversée par une nouvelle que j'ai reçue. Il faut que vous la rameniez ici, Françoise. Contente ou non ? Il manquerait plus que ça qu'elle ne soit pas contente de voir monsieur. Je vais me cavaler et presto. La voilà, elle n'était pas encore partie bien loin. Quelle figure malheureuse. C'est encore cette même femme qui vous a écrit pour vous tourmenter. Je vous ai demandé de sacrifier votre sortie, car il n'y a que ma petite Albertine qui puisse me consoler. Vous voulez bien rester auprès de moi ? Après le dîner, j'ai envie d'aller voir des amis. Madame de Guermantes ou Madame de Villeparisis. Ce que je trouverai chez eux. Voulez-vous venir avec moi ? Je n'ai pas de robe de soirée. Ces jours-ci, nous irons vous commander une robe de Fortuny que j'ai vue chez la Duchesse. Je suis fatiguée, je resterai ici. Je vais lire un peu et dormir. Sans en parler à Albertine, j'avais décidé d'aller ce soir chez les Verdurin pour tâcher d'apprendre quelle personne elle avait espéré rencontrer l'après-midi chez eux. C'est comme ça que vous vous promenez la nuit avec un beau jeune homme ? Nous nous sommes rencontrés rue Bonaparte. On ne vous voit pas souvent, belle jeunesse. Comment allez-vous ? Et votre cousine ? Elle n'est pas avec vous ? Eh bien non. Vous avez peut-être bien fait de ne pas l'amener. J'ai appris par Charlie ce matin qu'il devait y avoir la fille de Vinteuil et son ami qui sont deux personnes d'une terrible réputation. C'est toujours embêtant pour une jeune fille. Mais il n'est pas certain que nous les verrons. Elles devaient être ici sans faute tout l'après-midi à une répétition. Or, elles ne sont pas venues. Allons, mon ami, allons. Qu'est-ce que vous avez ? Vous êtes vert. Allons, entrons. Vous avez mauvaise mine, vous prenez froid. J'avais eu ma réponse. C'était Mademoiselle Vinteuil qu'Albertine avait espéré rencontrer tantôt. Vous allez voir comme ce gosse joue bien la musique de Vinteuil. Il me renverse. Je sais bien que je m'exagère facilement avec lui, comme toutes les vieilles mamans gâteaux du conservatoire. C'est moi qui ai fait les invitations. J'ai convoqué quelques personnes agréables dans notre milieu qui peuvent être utiles à Charlie et qu'il sera agréable aux Verdurin de connaître. Mes enfants, j'ai une surprise pour vous. Cottard a tenté l'expérience de me faire graisser le nez au rhinogoménol. Je peux pleurer comme je ne sais pas combien de mères qui auraient perdu leurs enfants, pas le moindre rhume. Bravo, Cottard. J'étais bien heureux de trouver une formule qui semble fonctionner. Depuis le premier jour, la musique de Vinteuil, à force de me faire pleurer, me fichait des rhumes à tout casser. J'avais l'air d'une vieille poivrotte et je ne faisais que tomber d'une bronchite dans l'autre. Est-ce que la fille de Vinteuil n'est pas là, ainsi qu'une de ses amies ? Non, je viens justement de recevoir une dépêche. Elles ont été obligées de rester à la campagne. Expliquez-moi ce que vous allez jouer, mon petit. Montrez-moi vos partitions. Si Charlus se permet de régenter Charlie, moi, je montrerai les dents. Ce pauvre Charlie vient de me le dire. Ce monsieur l'empêche d'accepter une invitation chez des amis auxquels j'avais promis son concours, parce que lui-même n'y est pas convié. Alors il va avoir un sérieux avertissement. Et si cela ne suffit pas, il n'aura qu'à prendre à la porte. Mon cher Palamède. Ce qui perdit monsieur de Charlus ce soir-là fut la mauvaise éducation, si fréquente dans ce monde, des personnes qu'il avait invitées. Chaque duchesse allait droit au baron comme s'il avait été le maître de maison. Et lui ne songeait pas à leur demander de dire quelques mots à madame Verdurin. Cousin, faites-moi la grâce de penser à moi pendant du temps. Montrez-moi où est la mère Verdurin. Chez nos cousins à la Rochefoucauld. Pour un thé dansant. C'est cette femme à cheveux blancs. Mais elle n'a pas trop mauvais genre. De tous les invités de monsieur de Charlus, seule la reine de Naples
sœur de l'impératrice Élisabeth d'Autriche. Mon cher cousin. Cette exception. Votre Altesse. Chère madame, depuis si longtemps, j'avais envie de vous connaître. Je vais peu dans le monde. Je suis sortie de ma tanière pour le plaisir de vous voir, plus que pour la musique ou pour mon cher cousin. Votre Altesse est trop bonne. Cela me touche et cela m'honore. J'espère que vous voudrez bien me pardonner. Je ne pourrai pas rester jusqu'à la fin du concert. Mais quand je m'en irai, surtout qu'on ne se dérange pas pour moi. Allons, asseyez-vous. Il paraît qu'il faut être initié. Silence, s'il vous plaît. Je cessais d'écouter la musique pour me redemander si Albertine avait vu ou non Mademoiselle Vinteuil ces jours-ci. Au moment où je me représentais Albertine m'attendant à la maison et s'étant peut-être endormie, je fus caressé au passage par une tendre phrase du Septuor. Peut-être avait-elle été inspirée à Vinteuil par le sommeil de sa fille. De sa fille, cause aujourd'hui de toutes mes inquiétudes. Cette phrase me calma. Endormie, éveillée, je la retrouverai ce soir, Albertine, ma petite enfant. La liaison notoire de sa fille avait fait mourir Vinteuil de chagrin. Près de mon père qui nous regarde. L'ami de Mademoiselle Vinteuil qui avait précipité sa mort avait ensuite passé des années à déchiffrer les notes griffonnées qu'il avait laissées et à établir des partitions lisibles. C'était grâce à elle qu'avait pu venir jusqu'à moi l'étrange appel que je ne cesserai jamais d'entendre, comme la promesse qu'il existait autre chose, réalisable par l'art sans doute, que le néant que j'avais trouvé dans tous les plaisirs et dans l'amour même. Il ne peut pas partir sans avoir remercié Palamède. Il n'y a personne que lui qui puisse à l'heure actuelle donner des fêtes pareilles. N'y aurait-il pas moyen que je donne une soirée pour faire entendre votre annonce? Vous voulez dire mon protégé? Mes compliments à votre protégé. Oui, oh, c'est un bon c'est une bravo pour cette soirée si réussie. Bonsoir. C'était sublime. Ce sont des gens qui n'oublient pas. Je n'ai ni café, ni glace. Eh bien, êtes-vous contente? Vous voyez que quand je donne une fête, cela n'est pas réussi à moitié. Pensez que la reine de Naples est venue de nuit. La duchesse de Duras était enchantée. Elle a engagé Morel chez elle et on redonnera le même programme. Ah, mon général, bien rendu, hein. Nous avons à causer. C'est ainsi que vous vous tirez les pattes, on dira du jeu. Très chaud. C'est chez moi. Proposez à Charlus de venir fumer une cigarette avec vous pour que je puisse éclairer sa dulcinée sur l'abîme où il roule sans que le Charlus s'en aperçoive. Je ne me sens pas en sûreté avec ça chez moi. J'ai appris qu'il a eu de sales histoires et que la police l'a à l'œil. Il paraît qu'il a fait de la prison. Oh, ma chère patronne, vous me surprenez. C'est moi qui vous le dis parce que je le sais. Allez chercher Charlus. Ah, quelle soirée! J'avoue que la pensée que le pauvre baron ignore le coup qui va le frapper me fait une grande peine. Il est complètement fou de ce garçon. Il me semble que je l'attire comme qui dirait dans un guet-apens. L'idée des souffrances qu'on préparait à monsieur de Charlus m'était intolérable. Si nous allions fumer une cigarette. Ah, mais volontiers. J'aurais voulu le prévenir, mais savais comment le faire. Plus agréable l'effet. Mon cher Charlie, madame Verdurin aurait un mot à vous dire. Je regrette que la reine de Naples soit partie avant que j'aie pu lui être présentée. Mon petit Charlie, je suis votre amie, c'est mon devoir de vous le dire. Vous ne devez pas souffrir davantage cette promiscuité honteuse avec un personnage flétri qui n'est reçu nulle part. Vous êtes la fable du conservatoire. Un mois de plus de cette vie et votre avenir artistique est brisé. Mais je n'avais rien entendu dire. Vous êtes le seul. C'est un monsieur qui a eu de vilaines histoires. Je sais que la police l'a à l'œil. Du reste, même matériellement, il ne peut vous servir à rien. Il est entièrement ruiné.
Il est la proie de gens qui le font chanter, entre autres ce Jupien. Et tout est entièrement hypothéqué. Hôtel, château. Je ne me serais jamais douté. On ne vous le dit pas en face, mais on vous montre du doigt. Cette affaire-là rend un homme prodigieusement ridicule. Il est la risée de tous, pour toute la vie. Je ne sais pas comment vous remercier. Ah. Dès ce soir, je romprai avec monsieur de Charlus. La reine de Naples est bien partie, n'est-ce pas? Sans cela, avant de rompre avec lui, je lui aurais demandé de me présenter. Elle est partie, en effet. Elle avait une soirée. Celle-là, c'est une brave femme. Je vous dirais qu'elle fait peu de cas de Charlus. C'est surtout pour moi qu'elle venait. Voyez-vous, ce que je reproche le plus à Charlus, c'est de manquer de délicatesse envers vous. Il y a des choses qu'on ne dit pas à tout le monde. Quelqu'un a cru lui faire plaisir en lui disant « Nous admirons beaucoup votre ami Morel ». Il a répondu « Comment voulez-vous qu'il soit mon ami? Nous ne sommes pas de la même classe. Il est mon protégé, rien de plus. » On a même répété à mon mari qu'il avait dit « Mon domestique ». Et cela, je ne peux l'affirmer. Par contre, il a parié devant nous qu'il allait vous faire rougir de plaisir en vous annonçant que vous auriez la croix de la Légion d'honneur. C'est une blague, car sa recommandation seule suffirait à vous empêcher de l'avoir. Ça nous a fait de la peine quand il a ajouté en se tordant que si vous désirez la croix, c'est pour votre père. Et que votre père est-elle là? Il a dit cela. Quelle ignominie! Eh bien, êtes-vous content, jeune gloire? Et bientôt, jeune chevalier de la Légion d'honneur. Le général Delcourt vient de me le confirmer. Bientôt, vous pourrez montrer votre croix. Laissez-moi! Je vous défends de m'approcher. Je sais maintenant quel misérable vous êtes. Vous ne devez pas être à votre coup d'essai. Je ne suis pas le premier que vous essayez de pervertir et de détruire! Ma seule consolation était de penser que j'allais voir Morel et les Verdurin pulvérisés par monsieur de Charlus. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que cela veut dire? Charlie, Charlie, par pitié. Tu as vu Charlus? Il n'emmène pas large. Il tremble sur ses jambes. Il devrait s'asseoir. Il faut avoir le courage de couper. Est-ce que cette dame n'est pas la reine de Naples? Après ce qui vient de se passer, je ne peux plus, hélas, demander au baron de me présenter. Ah, attendez, je vais le faire. Je suis madame Verdurin. Votre majesté ne me reconnaît pas? Très bien, oui. Je venais rechercher mon éventail. Vous n'avez pas l'air bien, mon cher cousin. Appuyez-vous sur mon bras. Soyez sûr qu'il vous soutiendra toujours. Il est assez solide pour cela. Il a déjà tenu en respect la canaille. Il saura vous servir de rempart. À quelques jours de là, le baron, dans un total état de prostration, contracta une pneumonie infectieuse et resta plusieurs mois suspendu entre la vie et la mort. Devinez d'où je viens? De chez les Verdurin. Je m'en doutais. Je ne savais pas que cela vous ennuierait, que j'aille chez les Verdurin. M'ennuyer? Oh, qu'est-ce que vous voulez que ça me fiche? Voilà qui m'est équilatéral. Est-ce qu'il ne devait pas avoir mademoiselle Vinteuil? Vous ne m'avez pas dit que vous aviez rencontré madame Verdurin l'autre jour qui vous en avait informé. Du reste, il y a bien autre chose que vous me cachez. Ce soir, chez les Verdurin, j'ai appris la vérité sur mademoiselle Vinteuil. Vous voulez dire que vous avez appris que je vous ai menti? Quand j'ai prétendu avoir été à moitié élevée par elle, je me sentais si dédaignée par vous. Je sentais que je vous ennuyais, que vous me trouviez bécasse. J'ai cru bêtement me rendre intéressante en inventant que j'avais beaucoup connu ces jeunes filles. Je parie que l'amie de mademoiselle Vinteuil vous a dit qu'elle ne me connaissait pas. Elle m'a vue au moins deux fois chez une camarade. Mais naturellement, je ne suis pas assez chic pour des gens qui sont devenus si célèbres. Elle préfère dire qu'ils ne m'ont jamais vue. Mais ma chérie, je vous donnerai volontiers quelques centaines de francs pour que vous alliez faire où vous voudrez la dame chic
et que vous invitiez à un beau dîner les Verdurin. Grand merci. Dépenser un sou pour ces vieux-là, j'aime mieux que vous me laissiez une fois libre pour que j'aille me faire casser. Qu'est-ce que vous dites, Albertine ? Non, rien, je m'endormais un peu. Vous êtes très réveillée. Au moins, ayez le courage de finir votre phrase. Vous vous êtes arrêté à casser. Laissez-moi, c'est affreusement vulgaire. Ce sont des mots que j'ai entendus dans la rue. Qui me sont venus à la bouche sans raison, je n'en sais même pas le sens. Soudain, deux mots atroces venaient de tomber sur moi. Ce qu'Albertine voulait dire, c'était me faire casser le pot. Horreur. C'était cela qu'elle aurait préféré. Même la dernière des grues qui consent à cela ou le désir n'emploie pas cette affreuse expression. Petite Albertine, la vie que vous menez ici est ennuyeuse pour vous. Il vaut mieux nous quitter. Pour abréger le grand chagrin que je vais avoir, je vous demande de me dire adieu ce soir et de partir demain pendant que je dormirai. Demain ? Vous le voulez ? Il faut finir tout d'un coup. Et mon Albertine, je vous demande en grâce une chose. Ne me revoyez jamais en cette vie. Cela me ferait trop de peine, car je vous aimais vraiment. Pas d'amour, peut-être, mais de grande, très grande amitié. Si vous vous figurez que moi, je ne vous aime pas. Cela me fait une grande peine de vous quitter. Et moi, mille fois plus. Mais c'est promis, je ne vous reverrai jamais. Tout plutôt que de vous voir pleurer comme cela, mon chéri. Je ne peux pas me faire encore à l'idée que je ne reverrai plus tout cela. Ni demain, ni jamais. Pauvre petite chambre. Il me semble que c'est impossible. Il le fallait. Vous étiez malheureuse ici. Non, je n'étais pas malheureuse. C'est maintenant que je le serai. Écoutez, Albertine, vous dites que vous allez être malheureuse. Cela me bouleverse. Voulez-vous que nous essayions de prolonger de quelques semaines ? Semaine après semaine, qui sait ? Oh, que vous seriez gentille. Alors c'est de la folie de nous être fait mal comme cela, pendant des heures. Je suis moulue de chagrin. Allez dormir, ma chérie. Vous devez être brisée. Je suis surtout bien contente. M'aimez-vous ? Un petit peu. Quand Albertine prétendait se sentir si heureuse à la maison, pouvais-je le croire ? Ou avait-elle par moments le désir de secouer ses chaînes ? Vous sembliez regretter d'avoir renoncé aux autres robes pour choisir celle-ci. Je vous les ai toutes commandées. Mais quoi que je fasse pour vous, vous faites preuve d'une totale ingratitude. Les voyages, les plaisirs que je sacrifie pour être avec vous, vous ne m'en savez aucun gré. Vous pouvez demander à tout le monde, ce n'est qu'un cri. Pardonnez-moi, ma petite Albertine. Il y a des gens méchants qui cherchent à nous brouiller et je finis par être affolée quelquefois de certaines dénonciations. On me persécute à me reparler de vos relations avec André. Avec André, c'est charmant. Et peut-on savoir qui vous a dit ces belles choses ? Ma petite Albertine, ce sont des lettres anonymes. Je suis fatiguée. Je vous dis bonsoir. Albertine. Je n'ai pas sommeil. Si vous n'avez pas envie de dormir, peut-être vous pourriez rester encore un peu. Vous devriez enlever votre robe. C'est trop chaud, trop raide. Je n'ose pas vous approcher. Déshabillez-vous, mon chéri. Je me déshabillerai dans ma chambre tout à l'heure. Il est très tard et je suis fatiguée. Bonsoir. Tâchez de bien dormir. C'était le bruit de la fenêtre d'Albertine qui s'ouvrait violemment. Pourtant, c'était une des conventions de notre vie commune, comme je craignais les courants d'air, qu'on n'ouvrit jamais de fenêtre la nuit. Il fallait partir pour Venise. C'était le moment. Ma vie avec Albertine, quand je n'étais pas jaloux, n'était qu'ennui. Et quand j'étais jaloux, que souffrance. Il fallait choisir un beau jour comme celui-ci,
lui laisser un mot et, sans l'avoir revu, partir pour Venise. J'allais demander à Françoise de m'acheter un guide et un indicateur de chemin de fer. J'étais bien ennuyée que monsieur sonne si tard aujourd'hui, je ne savais pas ce que je devais faire. Ce matin, à 8h, mademoiselle Albertine m'a demandé ses malles. J'ai eu beau la catéchiser, lui dire d'attendre une heure, parce que je pensais toujours que monsieur allait sonner, elle n'a pas voulu. Elle m'a laissé cette lettre pour monsieur, et à 9h, elle est partie. Ah, très bien. Vous avez bien fait, naturellement, de ne pas m'éveiller. Laissez-moi un instant, je vais vous sonner tout à l'heure. Mon ami, pardonnez-moi de ne pas avoir osé vous parler. J'ai toujours eu si peur devant vous. Voilà ce que j'aurais dû vous dire. Entre nous, la vie est devenue impossible. Je vous prie d'être assez bon pour me pardonner si je vous fais un peu de chagrin. En pensant à l'immense que j'aurais... Ma bonne Albertine, mon ami, vous avez pris votre décision avec un pressentiment merveilleux, car vous êtes partie le jour où j'ai reçu l'assentiment de ma mère de demander votre main, et nous aurions lié nos vies pour ce qui aurait été pour nous, qui sait, le malheur. De même que j'avais autrefois dit à Albertine, je ne vous aime pas pour qu'elle m'aimât, je lui écrivais adieu pour toujours, pour qu'elle revînt. Mon ami, puisque la fatalité de ton caractère a voulu que ma petite Albertine ne puisse pas être ma femme, j'ai pensé que la personne qui vous remplacerait le mieux, parce que c'est celle qui vous rappellerait le plus, c'est André, et je lui ai demandé de venir. J'aurai donc tout de même une femme dans André. Ma chérie. Ma petite chérie. J'ai besoin que vous reveniez à n'importe quelle condition. Vous ferez tout ce que vous voudrez. Je demande seulement à vous embrasser une minute, trois fois par semaine, avant que vous n'alliez vous coucher. Mon télégramme venait de partir quand j'en reçus un. Il était de Madame Bontemps. Mon pauvre ami, notre petite Albertine n'est plus. Pardonnez-moi de vous dire cette chose affreuse, vous qui l'aimiez tant. Elle a été jetée de cheval contre un arbre pendant une promenade. Tous nos efforts n'ont pu la ranimer. Que ne suis-je morte à sa place? Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur n'a pas besoin d'avoir l'air fâché. Il va au contraire être content. C'est une lettre de mademoiselle Albertine. Serait-il trop tard pour que je revienne chez vous? Si vous n'avez pas encore écrit à André, consentiriez-vous à me reprendre? Si votre décision était que je revienne, je prendrais le train immédiatement. De tout cœur à vous, Albertine. Cette lettre, elle avait dû l'écrire peu de temps avant la promenade où elle était morte. Je me disais que seule ma propre mort pourrait me consoler de celle d'Albertine. Jadis, je songeais sans cesse à l'avenir incertain qui était devant nous. Et maintenant, ce qui était devant moi aussi incertain et plus cruel encore, ce n'était plus l'avenir d'Albertine, c'était son passé. Tout d'un coup émergeait un souvenir qui était resté au fond de ma mémoire. Mon cher aimé, je sais que je peux avoir en vous une confiance absolue. Lorsque j'étais à Balbec, on m'a dit que deux jeunes filles, dont la conduite faisait scandale, allaient à l'établissement balnéaire dans l'hôtel. Et pas seulement pour des douches ou des bains. Tâchez de savoir si le comportement de mademoiselle Albertine, quand elle fréquentait l'établissement, a jamais paru suspect. Je peux dire que toute cette année-là, ma vie resta remplie par un amour, par une véritable liaison. Et celle qui en était l'objet était une morte. Je viens de causer enfin avec la personne que monsieur m'avait chargé de voir, qui se rappelle bien mademoiselle A. D'après elle, la chose que supposait monsieur est absolument certaine. Mademoiselle A venait souvent prendre sa douche avec une grande femme, plus âgée qu'elle.
Elle et Mademoiselle A s'enfermaient dans la cabine et restaient très longtemps. Mais le plus souvent, Mademoiselle A venait avec des jeunes filles plus jeunes qu'elle. Je me souviens alors que ma grand-mère m'avait dit à propos d'une histoire invraisemblable que la doucheuse avait racontée à Madame de Villeparisis. C'est une femme qui doit avoir la maladie du mensonge. Une bonne manière de savoir la vérité était d'envoyer Aimé passer quelques jours dans le voisinage de la villa de Madame Bontemps. Pour l'heure, monsieur, d'une petite blanchisseuse de la ville, j'ai seulement appris que Mademoiselle A avait une manière particulière de lui serrer le bras. Mais, m'a-t-elle dit, cette demoiselle ne m'a jamais fait autre chose. Pour faire parler la petite blanchisseuse, je l'ai emmenée dîner, je l'ai fait boire. Alors elle m'a raconté que Mademoiselle Albertine la rencontrait souvent au bord de la mer. Elle se baignait et elle restait dans l'herbe à se sécher, à se caresser, à se chatouiller. En voyant Mademoiselle A qui se frottait toujours contre elle dans son peignoir, elle le lui avait fait enlever et elle lui faisait des caresses avec sa langue le long du cou, des bras, même sur la plante des pieds. Elle ne m'a rien dit de plus. Faire mon possible pour vous faire plaisir, j'ai emmené coucher avec moi la petite blanchisseuse. Elle m'a demandé si je voulais qu'elle me fît ce qu'elle faisait à Mademoiselle Albertine quand celle-ci ôtait son costume de bain. Et elle m'a dit, si vous aviez vu comme elle frétillait, cette demoiselle, elle me disait « Ah, tu me mets aux anges !» Et elle était si énervée qu'elle ne pouvait s'empêcher de me mordre. Tu me mets aux anges. Tu me mets aux anges. Je voyais Albertine recomposée à côté de la blanchisseuse et de ses amis, le groupe des amis d'Albertine à Balbec que j'avais tant aimé. Si j'avais été un amateur sensible à la seule beauté, j'aurais reconnu que le récit d'Aimé me présentait une vision mille fois plus belle. Mais mon cœur était brûlé par un feu d'enfer. Si j'avais pu réussir à évoquer Albertine en faisant tourner les tables, je ne l'aurais souhaité que pour lui dire « Tu croyais que je ne saurais jamais ce que tu as fait après m'avoir quitté ? Eh bien, je sais tout. Je sais pour la blanchisseuse. Tu disais « Tu me mets aux anges. J'ai vu la morsure. » Si Albertine vicieuse avait existé, cela n'empêchait pas qu'il y en eût d'autres. Des moments me revinrent où elle n'avait été que bonne ou grave. Ce piano-là, cette chambre, pensez que je ne reverrai jamais tout cela. Oh non, tout plutôt que de vous faire de la peine. Du moment que cette bonne Albertine était revenue, comme j'aurais fait si elle avait été vivante, je la questionnais tendrement. Ma petite fille. L'histoire de la blanchisseuse est-elle vraie ? Je vous jure que non. Aimé a voulu paraître avoir bien gagné l'argent que vous lui avez donné. Il n'a pas voulu revenir bredouille. Il a fait dire ce qu'il a voulu à cette blanchisseuse. Vous n'avez besoin de rien me dire, ma chérie. Que vous ayez fait ce que vous avez voulu, ma pauvre petite, ne change rien au sentiment qui nous lie et nous lieront toujours. Si je vous ai caché mes goûts, c'était pour ne pas vous causer de chagrin. J'évoquais le regard bon et pitoyable de cette Albertine-là. Et il me fut aisé de faire ce que j'eusse fait infailliblement si elle avait été auprès de moi de son vivant. Je lui pardonnais. Ma première étape vers l'oubli d'Albertine commença un dimanche de Toussaint. Mes chers petits, c'est décidé, nous allons passer. Il y a autant de distractions qu'à Paris. Au revoir, ma belle. Mon amour finissant semblait rendre possible pour moi de nouvelles amours. L'élection de Chausse-Pierre à la présidence. Mon petit voisin. Monsieur le duc. Monsieur. Et vous connaissez Mademoiselle de Forcheville, n'est-ce pas ? Mademoiselle de Forcheville ? Je ne crois pas.
Vous ne vous souvenez plus que vous m'avez beaucoup connue autrefois? Votre amie Gilberte. Gilberte. Je ne sais pas si... C'était Gilberte Swann. Coupée du monde pendant mon isolement, je n'avais pas su qu'après la mort de Swann, Odette se trouvant être une veuve très riche, Forcheville l'avait épousée. Il avait étendu sa bonté jusqu'à la personne de Gilberte, dont le nom juif de Swann le gênait. Il l'avait adoptée. Lorsque nous nous sommes croisés, j'ai bien vu que vous ne m'aviez pas reconnue et que vous aviez pris mes sourires pour des avances de ma part. Ça a beaucoup égayé Gilberte, qui m'a raconté que vous l'avez suivie, la prenant pour une cocotte. Je suis mortifiée, ne m'accablez pas. Moi, je vous ai reconnue tout de suite. Je ne pouvais m'empêcher de penser avec désolation à Swann, qui aurait tant aimé voir sa fille chérie reçue chez les Guermantes, comme elle l'était aujourd'hui. Ce qu'il lui avait impitoyablement refusé jusqu'à sa dernière heure. Vous aviez disparu. Je suis toute contente de vous voir. Vous ne voulez pas venir avec nous demain à l'Opéra Comique? Je vous remercie, mais je ne vais pas au théâtre. J'ai perdu une amie que j'aimais beaucoup. Pour la première fois, cela me faisait un certain plaisir d'en parler. C'est à partir de ce moment-là que je commençais à écrire à tout le monde que je venais d'avoir un grand chagrin et à cesser de le ressentir. Je me souviens que j'eus conscience que j'approchais de l'indifférence à l'égard d'Albertine dès ce premier matin à Venise. Le voyage à Venise, que j'avais si souvent sacrifié pour Albertine, au printemps j'avais eu enfin le courage de le faire avec ma mère. Un tableau faillit un jour ranimer mon amour, en voyant pour la première fois le miracle du possédé de Carpaccio. Sur le dos d'un des seigneurs, je reconnus l'étoffe de la robe de Fortuny que portait Albertine la veille de son départ. Je fus envahi par un sentiment de désir et de mélancolie qui se dissipa aussitôt. Ce monstre, l'oubli, avait bien, comme je l'avais cru, fini par dévorer mon amour. Mon très cher, je vous ai télégraphié à Venise à ce sujet, mais je n'ai pas eu de réponse. Maman ! Maman ! J'ai une chose inouïe à te raconter. Il n'y a rien de plus étonnant que ce que m'apprend cette lettre. C'est un mariage. Gilberte Swann m'annonce son mariage avec... Robert de Saint-Loup. Robert de Swann. Avec Robert de Saint-Loup, oui, ça c'est inouï. Si le vieux père Swann avait su qu'il aurait un jour des arrière-petits-enfants où coulerait confondu le sang de la mère Moser qui disait « Bonjour Mézier » et le sang du duc de Guise. Ce pauvre Swann, qui désirait tant que Gilberte fût reçue chez les Guermantes, serait-il heureux aujourd'hui s'il pouvait voir sa fille devenir une Guermante? Ce mariage à peine fait a déjà manqué se défaire. C'est un titre qui Robert collectionne les maîtresses. Sans se cacher. Que voulez-vous? C'est de famille. Gilberte s'est confiée à vous. Il ne m'a pas caché qu'elle était malheureuse. Si on se prive de tous les plaisirs, elle s'y fera. Saint-Loup trompait sa femme, mais pas de la manière que tout le monde croyait. Que ce misérable de Charlie Morel ait quitté le baron comme il l'a fait, salement, on peut le dire. C'est son affaire. Se tourner vers le neveu, c'est des choses qui ne se font pas. Un neveu que le baron aime comme son fils. Je peux vous dire que Morel tire des fortunes au marquis comme il le faisait du baron. Étant venu prendre des nouvelles de Monsieur de Charlus souffrant, j'y avais trouvé Jupien. Êtes-vous sûr de ce que vous dites? Madame de Saint-Loup a surpris une correspondance amoureuse adressée à son mari, signée Lolotte. Laissez-moi vous dire, monsieur, la personne qui signe Lolotte est autre que Charlie Morel. Charlie, Charlotte, Lolotte. Comment cela a-t-il pu naître chez un garçon qui a tellement aimé les femmes? Je l'ai vu désespéré, jusqu'à craindre qu'il se tue. Il a fallu que Morel y mette des ruses diaboliques. Jupien faisait remonter à très peu de temps la nouvelle orientation des goûts charnels de Saint-Loup. Mais alors que je me trouvais à Balbec pour quelques jours,
Il y a longtemps que je le sais. C'est archi connu, monsieur. La première année que monsieur était à Balbec, monsieur de Saint-Loup s'enferma avec mon liftier sous prétexte de développer des photographies de madame la grand-mère de monsieur. Le petit voulait se plaindre. Nous avons eu toutes les peines du monde à étouffer la chose. La première année où nous étions à Balbec. Il me revint soudain que l'été suivant, sur le quai de la gare de Doncières, Saint-Loup m'avait dit... C'est curieux, ce garçon, il a des choses de Rachel. Cela ne te frappe pas? Ils ont des choses identiques. Charlie, Rachel, même dans leur nom. Il est possible que Morel étant excessivement noir, fût nécessaire à Saint-Loup, comme l'ombre l'est au soleil. Les promenades que nous faisons sont celles que je faisais jadis enfant. Et cela me désole de voir combien peu je retrouve mes émotions d'autrefois. Cela ne vous a rien fait éprouver, de prendre le petit raidillon? Je m'attriste à l'idée que ma faculté de sentir et d'imaginer m'abandonne. Mais quant au raidillon, comme je vous aimais, alors... Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Moi aussi, je vous aimais. Je n'avais jamais connu un aussi joli petit garçon. J'avais l'habitude d'aller jouer avec de petits amis dans les ruines du donjon de Roussainville. Il y avait là-bas des garçons et des filles de tout genre qui profitaient de l'obscurité. Je ne peux pas vous dire comme j'aurais voulu vous y voir venir. Ce jour-là, vous vous promeniez avec votre famille. J'ai essayé de vous le faire comprendre, mais... Mais je n'ai pas compris. Si j'avais su le comprendre, ce que je souhaitais si fiévreusement alors, Gilberte avait failli me le faire goûter dès mon adolescence. Ça, monsieur. S'il vous plaît. À cause d'une aggravation de mon état maladif, il m'avait fallu quitter Paris pour aller me soigner dans une maison de santé. Quoique myope, j'ai été reconnu bon pour le service. Le malheureux Bloch, que pouvait-il espérer d'autre des bourreaux de Dreyfus? Après une longue absence, je me trouvais à Paris en août 1914, une semaine après la déclaration de guerre, pour subir une visite médicale. C'est une mine de déterrer. Après quoi, je devais rejoindre ma maison de santé. Je suis surpris que ton médecin t'autorise à sortir et à fréquenter ce genre d'endroit. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai rendez-vous pour dîner avec Saint-Loup. Le noble chevalier de Saint-Loup-en-Bray. Je te fais le pari qu'avec ses relations, lui sera dispensé d'aller se faire trouer la peau. Je vous laisse, je file au théâtre. Mon engagement est accepté. Demain, j'ai rendez-vous au ministère de la guerre pour être présenté au colonel du régiment de cavalerie, où je vais être incorporé. Vous autres galonnés qui paradez dans les états-majors, vous ne risquez rien. Et moi, pauvre piou-piou de deuxième classe, je n'ai pas envie de me faire crever la peau pour Guillaume. Il paraît que l'empereur Guillaume est gravement malade. L'empereur Guillaume. Tu ne peux pas dire Guillaume tout court. Déjà ici, tu le mets à plat ventre. Ça nous fera de beaux soldats à la frontière. Ils lécheront les bottes des boches. Vous êtes des galonnés qui savaient parader dans un carrousel, un point c'est tout. Ce pauvre Bloch veut absolument que je ne fasse que parader. On dirait pas que c'est la guerre ici. Excusez-moi, monsieur. À mon second retour en 1916, je rentrais dans un Paris bien différent de celui de 1914. Le Paris de la guerre faisait penser au directoire, avec une invasion jacassante de dames à turban qui portaient des tuniques droites, sombres, très guerre, et de hautes guêtres rappelant celles de nos chers combattants. J'ai téléphoné au GUG. Eh bien, voici. Nous avons entrepris de dégager le mort homme sur la rive droite de la Meuse. Notre but stratégique est d'atteindre le faisceau de communication de l'ennemi. Je refuse d'entendre parler de paix avant que l'Allemagne ait été réduite au même morcellement qu'au Moyen-Âge. Est-ce que vous viendrez demain à 5 heures parler de la guerre? Et que Guillaume ait reçu bien dans la peau. Bonsoir, ma belle. C'était madame Dossonville. Venez vite vous asseoir près de moi, mon petit. Richaud, poussez-vous. Ça fait plaisir de le revoir, celui-là.
À cause du manque de charbon et de lumière, mon salon s'est transporté momentanément ici. Vous nous avez manqué. Tenez, prenez ma place. Prenez-la. Je dois hélas partir. À demain, chère patronne. À demain, à demain. C'est l'heure des téléphonages. On sait que j'ai des amis au ministère, donc tout Paris m'appelle. Eh bien, est-ce que vous nous revenez en meilleure santé, mon garçon ? Guéri ou pas, tous les pensionnaires ont dû partir. La totalité du personnel médical ayant été soit incorporé, soit réquisitionné. Qu'est-ce qu'on vous commande ? Un peu de raisin. Un peu de raisin. Savez-vous chez quelle duchesse Brichot est allé faire la roue ce soir ? J'ai entendu le nom de Madame de Duras. Est-ce que vous avez lu de ses articles sur la guerre ? Quelques-uns qu'on m'a envoyés. La patronne croit qu'il devient fou, c'est d'un ridicule à mourir. C'est pédant, c'est vulgaire, c'est plat, 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 mais ça a un succès fou chez les gens du monde. Celui qui sait écrire, pardon, c'est notre petit Morel. Ses chroniques sont des bijoux, j'en ai quelques exemplaires, je vous les ferai passer. C'est à cet ordre. Les mésaventures d'une douairière en us. Ou les vieux jours de la baronne. C'est à cet ordre. Il s'agit du Charlus, bien entendu. Et tout le monde le reconnaît. Il le surnomme Frau Bosch ou la tante de Francfort. Mais quelle est sa nationalité exacte au Charlus ? Le Charlus est prussien. Pourtant, la reine de Naples m'avait dit... Ah, non, non, non. Et rien ne m'enlèvera de l'idée que pendant 2 ans, le Charlus n'a pas cessé d'espionner chez moi, à la Raspelière. La propriété étant au fond d'une baie, sur un point élevé. Il était sûrement chargé par les Allemands de préparer là une base pour leur sous-marin. Tout ça sentait l'espionnage à plein nez. Messieurs. Oh, déjà 9h30. Que faisons-nous ? Allons-nous au cinéma ? Robert. Je suis en permission. Je tenais à te voir. Mais j'ai très peu de temps. Tu as été blessé. Une éraflure. Je ne peux pas me figurer que tu aies pris part à ces combats titanesques dont nous n'avons entendu parler que par les journaux et que tu en reviennes avec seulement une égratignure au front. Il me semble que tu reviens un instant parmi nous des rivages de l'enfer, où tu vas retourner. Si tu étais là-bas avec moi, avec ta sensibilité d'artiste, tu verrais comme moi. Non pas l'horreur, mais la beauté de cette épopée. Si tu voyais ce que les hommes du peuple, surtout, recèlent en eux d'héroïsme, je t'assure, mon cher petit... Je comprenais que la guerre qui fait des capitales où il n'y a plus d'hommes, le désespoir des homosexuels, est au contraire le roman passionné des homosexuels au combat. On les aura, ils ne passeront pas. Le jargon des journaux fait mal aux dents. On sent si peu la guerre à Paris. Les raids des Zeppelins comme hier, c'est assez inouï à voir. Et avec les sirènes, c'est assez wagnérien. Hier, pendant les raids, tu aurais pu voir un vrai vaudeville dans la cour. Nous avons reconnu la duchesse de Guermantes, superbe en chemise de nuit. Le duc de Guermantes, inénarrable, en pyjama rose et peignoir de bain. Dans tous les grands hôtels, on a vu les juives américaines en chemise, serrant sur leur sein des catis le collier de perles qui leur permettra d'épouser un duc décavé. Je m'en vais. Mon cher petit... Adieu. En allant retrouver les Verdurin dans l'obscurité, j'avais pris une rue pour une autre et je m'étais égaré. En me perdant dans le lacis de ces rues noires, c'est le vieil Orient des mille et une nuits que j'avais tant aimé que mon imagination me présentait. Je pensais au calife Haroun al-Rachid en quête d'aventure dans les quartiers perdus de Bagdad. Cette heure-ci, je sais pas trop où le patron trouvera des chaînes. Zéro. C'est toi qui le taperas ce soir ? Non. Ce soir, c'est Maurice. Monsieur, qui dois-je m'adresser ? Je voudrais avoir une chambre.
Voyez ça avec le patron, c'est lui qui arrive. Pourrais-je avoir une chambre, monsieur? Pour quelques heures seulement, je n'ai pas trouvé de voiture, je suis un peu malade. Je vous conseillerais pas de causer comme ça en Pierrot, première ligne. Pierrot, amène-le au 43. Eh ben Maurice, qu'est-ce que tu fais là? Monte en 14 bis, on t'attend. Monsieur le baron, est-ce que vous avez besoin de moi? Faites sortir Maurice un moment. Je ne voulais pas blesser ce petit qui est très gentil, mais je ne le trouve pas assez brutal. Sa figure m'appelait, mais... Il m'appelle Crapu, comme s'il avait bien appris sa leçon. Il a pourtant été compromis dans le meurtre d'une concierge de la Villette. Mais j'ai là le tueur de bœufs qui est passé. L'homme des abattoirs. Voulez-vous l'essayer? Oui, volontiers. Ce qui me frappa aussitôt, c'est que ces deux hommes étaient des succédanés de Morel. Ils lui ressemblaient. Oh, on est bien embêtés. Il y a une croix de guerre qui a été trouvée par terre, on ne sait pas qui l'a perdue, et à qui faudrait la renvoyer pour que le pauvre type n'écope pas d'une punition. Comment ça, c'est déjà fini? Ça n'a pas été long? Si t'étais obligé de taper à tour de bras comme moi par cette chaleur, si c'était pas les 50 francs qu'il me donne... Vous, monsieur? Je suis en train de me reposer un moment. On m'a promis un Canadien pour ce soir. Est-ce qu'il est arrivé? Les gens me réclament souvent des Canadiens à cause de leur accent et des Écossais à cause de leur kilt. J'ai le baron là-haut. Quand il va descendre, il ne faut pas qu'il vous voie. Je ne veux pas que vous me jugiez mal. Cette maison ne me rapporte pas autant d'argent que vous croyez. C'est uniquement pour rendre service au baron et distraire ses vieux jours. Il n'a jamais fait honte. Allez les gars. Dans le métro. Allez, dans le métro. Il n'y a pas eu la sirène. Et restez ici. Alors, un autre pour la Bertha. Je pensais à la maison de Jupien, peut-être réduite en cendres maintenant, car une bombe était tombée tout près au moment où je m'en éloignais. Cette maison sur laquelle M. de Charlus eût pu prophétiquement écrire « Sodoma ». Je vous ai cru mort, monsieur. Et nous autres, à la cave, on a bien cru que c'était notre fin. Avant que ça se mette à bombarder, il y a monsieur de Saint-Loup qui est passé pour voir s'il n'avait pas laissé tomber sa croix de guerre pendant la visite qu'il vous a fait tout à l'heure. Il venait de s'apercevoir qu'il l'avait perdue et comme il doit rejoindre son régiment... Moi, je me doutais de l'endroit où cette croix avait été oubliée. On n'a rien trouvé. Allez-vous coucher, Françoise. Et vous autres aussi. Sur l'ordre des médecins, je devais quitter Paris pour une autre maison de santé dans les jours suivants. C'est le débauche. L'autre jour, ils nous ont tués. Françoise! Expliquez-moi ce qui se passe! C'est le maître d'hôtel d'à côté qui vient de m'informer que monsieur le marquis a été mortellement touché. Ah, monsieur de Saint-Loup! Oui. Le maître d'hôtel, il pense qu'ils feront son enterrement à l'église à Combray avec les autres guermantes. Merci, François. Si possible, ne faites plus de bruit.
J'appris que Robert avait été tué le surlendemain de son retour au front, en protégeant la retraite de ses hommes. Madame la Duchesse, il paraît qu'elle cesse pas de le pleurer, le pauvre marquis. Mais sa pauvre mère, qu'est-ce qu'elle a dû pleurer? Si encore elle avait pu le revoir. Mais il vaut peut-être mieux qu'elle ait pas pu, parce qu'il avait le nez coupé en deux. Moi aussi, ça m'a fait quelque chose. C'est toujours plus intéressant quand c'est des gens qu'on connaît. Je ne pouvais me consoler que la vie d'Albertine et de Saint-Loup ait été si courte. Tous deux me disaient souvent, prenant soin de moi, vous qui êtes malade, et c'était eux qui étaient morts. Le nouveau sanatorium dans lequel je m'étais retiré du monde pour de longues années ne me guérit pas plus que le premier. Durant le trajet en chemin de fer, quand je rentrais enfin à Paris, la pensée de mon absence de don littéraire m'avait frappé à nouveau, avec une force plus désolante que jamais. C'était un arrêt du train, en pleine campagne. Le soleil éclairait une ligne d'arbres. Arbre, pensais-je. Vous n'avez plus rien à me dire. Mon cœur refroidi ne vous entend plus. Si jamais j'ai cru me croire poète, je sais maintenant que je ne le suis pas. Monsieur le baron. Derrière vous, sur la colonne, il y a une affiche pareille à celle devant laquelle j'étais quand je vous vis pour la première fois. Ah, Balbec. En effet. J'ai eu une attaque d'apoplexie, moi. Vous l'avez su? Oui, monsieur. Et je suis heureux de vous voir rétabli. Cruauté mort. Saint-Loup mort. Swann mort. Talleyrand mort. Montmorency mort. Monsieur le baron. Le baron va bien maintenant, mais je n'ose pas le lâcher seul. Il est toujours le même. Il est resté coureur comme un jeune homme. Oh mon Dieu. Le voilà qui a déjà trouvé le moyen d'entrer en conversation avec un garçon jardinier. Adieu, monsieur. Malgré ma longue absence, mes anciennes relations avaient continué de m'envoyer des invitations. En rentrant, j'en avais trouvé une pour une matinée chez le prince de Guermantes. Je n'avais aucune raison de me priver de mener la vie d'homme du monde, puisque je savais avec certitude que je n'étais plus bon à rien d'autre. Mais c'est quelquefois au moment où tout nous semble perdu que l'avertissement arrive qui peut nous sauver. Mon découragement venait de s'évanouir devant la même félicité que m'avait donnée jadis la saveur de la madeleine trempée dans une infusion un jour d'hiver. La sensation que j'avais ressentie jadis en trébuchant de la même manière sur deux dalles de la place Saint-Marc venait de me rendre Venise avec toutes les sensations de ce jour-là. Si monsieur veut bien attendre un moment dans la bibliothèque, la princesse a défendu qu'on ouvre les portes du salon pendant l'exécution du morceau. Monsieur ? On eût dit que les signes qui devaient ce jour-là me tirer de mon découragement avaient à cœur de se multiplier. La serviette avait précisément le même genre de raideur et d'empesée que celle du grand hôtel de Balbec. Et devant cette bibliothèque de l'hôtel de guerre plumage d'un océan vert et bleu, comme la queue d'un paon. Quelle était la cause de cette félicité que je venais de ressentir? Si diverses impressions bienheureuses avaient entre elles ceci de commun que je les éprouvais à la fois dans le moment actuel et dans un moment éloigné. Ce que l'être par trois et quatre fois ressuscité en moi venait de goûter, c'était bien des fragments d'existence soustraits au temps. Seul cet être-là avait le pouvoir de me faire retrouver les jours anciens, le temps perdu, à quoi les efforts de ma mémoire et mon intelligence échouaient toujours.
Aujourd'hui, dans la bibliothèque des Guermantes, je comprenais que tous ces matériaux de l'œuvre littéraire que j'allais entreprendre enfin, c'était ma vie passée. Ils étaient venus à moi dans les plaisirs frivoles, dans la paresse, dans la tendresse, dans la douleur, et emmagasinés par moi sans que je devine leur destination. Le spectacle que je découvrais me faisait l'effet d'une fête travestie. Chacun semblait s'être fait une tête, généralement poudrée, qui le rendait méconnaissable. C'était étonnant d'entendre appeler Châtellerault un vieillard aux moustaches argentées. Mais le clou de la matinée, c'était Monsieur d'Argencourt, jadis si raide, si solennel, devenu cette loque en bouillie. Quelle joie de vous voir. Vous, mon plus vieil ami. Son plus vieil ami, elle exagère. Mais c'est inouï. Vous êtes toujours le même. Vous êtes étonnant. Vous restez toujours jeune. Expression qui n'a de sens que si nous sommes en fait devenus vieux. J'ai toujours regretté que vous ne vous soyez pas mariés. Et qui sait, c'est peut-être plus heureux. Vous auriez été d'âge à avoir des fils à la guerre. Et s'ils avaient été tués comme ce pauvre Robert, sensible comme vous êtes, vous ne leur auriez pas survécu. Oh, c'est Jacques Durosier qui vient d'arriver. C'est un homme d'une hauteur intellectuelle peu commune. Une sorte de génie. Ce génie, c'était Bloch. Bloch qui n'eût pas pénétré dans ce salon il y a 20 ans. Je crois. Comme je suis heureuse de vous voir. Je le suis aussi. Vous me prenez pour maman. En effet, je commence à lui ressembler beaucoup. Mais comment venez-vous dans des matinées si nombreuses? Ces grandes machines comme ici sont bien peu faites pour vous. Dans les yeux des vieillards qui se croyaient rester jeunes comme je le croyais moi-même de moi, je me voyais comme dans la première glace véridique que j'eusse rencontrée. Le temps qui avait passé pour eux avait passé aussi pour moi. Je me suis présenté à la maîtresse de maison d'ici, la princesse de Guermantes. Je sais bien qu'elle n'est plus jeune, mais il n'y a pas tellement longtemps que tu me parlais de son charme incomparable, de sa merveilleuse beauté. Elle n'est pas tellement inouïe que tu disais. La princesse de Guermantes dont je te parlais est morte. C'est l'ex-madame Verdurin que le prince, ruiné par la défaite allemande, a épousée avec ses millions. Après la mort de son mari, madame Verdurin... Oui. Nous ferons clan, mes petits enfants, nous ferons clan. Quelques politesses à faire, mais toi, tu devrais rentrer chez... J'aime cette jeunesse, si intelligente, si participante. Oh, quelle musicienne vous êtes. Vous avez entendu ça? Quel talent! Princesse? Ah, le voilà, notre sœur Morel, notre grand artiste, le voilà. Ma chère princesse. Votre Altesse. Je m'expliquais l'anxiété qui s'était emparée de moi dès mon entrée dans le salon, quand les visages grimés m'avaient donné la notion du temps perdu. Au moment d'entreprendre mon ouvrage, je me disais non seulement « est-il encore temps ?» mais « suis-je en état ?» Mon Dieu, quand est-ce que je vous avais vu la dernière fois ? En visite chez madame d'Agrigent. C'est vrai que j'y allais souvent, mon pauvre petit, parce que Bazin les met à ce moment-là. Je vous dirai que Gilberte de Saint-Loup n'est pas une relation nouvelle pour moi. J'ai énormément... Lorsque madame de Forcheville s'appelait madame Swann, Bazin m'interdisait absolument de la recevoir. Mon Dieu, qu'il se soit remis à me tromper, ça ne pourrait que me flatter, parce que ça me rajeunit. Mais enfin, nous ne sommes pas si mal ensemble. Nous nous parlons, nous nous aimons même assez. Me le fait.
permettez, je vais aller chercher ma fille pour vous la présenter. Elles étaient nombreuses pour moi, les routes qui aboutissaient à Mademoiselle de Saint-Loup. Et avant tout, les deux grands côtés où j'avais fait tant de promenades et de rêves. Le côté de Guermantes par son père, Robert de Saint-Loup. Et le côté de mes églises, le côté de chez Swann, par Gilberte Swann, sa mère. Je la trouvais bien belle, pleine encore d'espérance, riante, formée des années mêmes que j'avais perdues. Elle ressemblait à ma jeunesse. Mes petits enfants, si. À ce moment même, dans l'hôtel du prince de Guermantes, j'entendis ce bruit des pas de mes parents reconduisant M. Swann. Ce tintement rebondissant, ferrugineux, criard et frais de la petite sonnette qui m'annonçait qu'enfin M. Swann était parti et que maman allait monter. M. Swann est parti. Vous avez entendu la sonnette ? Je les entendis encore. Je les entendis eux-mêmes, eux situés pourtant si loin dans le passé. Il était temps de commencer.